Bonjour, dans cette vidéo du module 3, je vais vous expliquer un élément essentiel pour obtenir un swing répétitif, le maintien de l'axe fixe. De manière traditionnelle, il est enseigné que le corps doit être transféré, le poids du corps doit être transféré du pied droit au pied gauche. Je pense que vous avez entendu ça des dizaines et des dizaines de fois. Or, c'est quelque chose que j'ai enseigné pendant des années et je peux vous dire que beaucoup de joueurs ont du mal à effectuer ce transfert de poids. Pour une bonne raison, c'est que ce n'est pas la manière la plus optimum et la plus efficace pour taper dans une balle de golf. Le principe, c'est qu'on effectue un pivot et qu'un pivot se fait autour d'un axe et que plus cet axe est fixe, plus vous obtenez de la vitesse et de la stabilité. Laissez-moi vous montrer avec un petit exercice que je vous propose de faire. Si vous prenez un club et que vous le positionnez devant vous, que vous essayez d'effectuer un transfert de poids du pied droit, ici, au pied gauche, en imaginant que vous devez taper un drive le plus loin possible. Je vais le faire, pied droit, pied gauche. Vous remarquez que j'ai du mal dans cet exercice à conserver ma stabilité à la fin. Regardez bien, pied droit, pied gauche. Vous voyez, je tombe. Regardez maintenant si je fais le même exercice en essayant de conserver mon axe parfaitement centré à la montée et parfaitement centré au retour et que j'effectue le même geste aussi vite que je peux. Vous remarquez que ma stabilité est parfaite. Je peux tourner à la fois plus rapidement tout en restant empilé alors que si je cherche à bouger mon corps, il y a de grandes chances que mon corps partent dans tous les sens à la descente. Regardez encore une fois, si je reste bien centré, je peux tourner très rapidement en conservant mon axe et rester beaucoup plus stable. Donc, vous comprenez qu'il est essentiel d'acquérir cette sensation d'axe fixe. Et c'est quelque chose qui va aller très vite puisque je suppose que si vous l'avez travaillé, vous avez passé peut-être beaucoup de temps à essayer d'obtenir un bon transfert de poids pour gagner de la distance ou obtenir un toucher de balle plus en descendant, le fameux toucher balle terre. Vous devez comprendre une chose, c'est que cet axe fixe va vraiment vous permettre d'augmenter votre régularité et d'enchaîner les bons coups grâce justement à un angle d'attaque qui va être constant. C'est-à-dire que lorsque vous restez toujours dans la même position en montant et en descendant, ça va être beaucoup plus simple pour vous de retrouver la bonne position au moment de l'impact. Si vous commencez à bouger de droite à gauche, il va falloir être parfaitement synchronisé pour revenir à l'endroit où j'étais avant de jouer. Alors que là, vous restez parfaitement stable et c'est très simple de revenir dans la bonne position. Autre avantage essentiel, ça va être pour la précision de vos coups. Lorsqu'on se balade de droite à gauche, c'est-à-dire qu'on fonctionne sur deux axes de rotation plutôt que sur un seul axe de rotation, eh bien, on a beaucoup plus de difficultés à ramener le club square. Laissez-moi vous expliquer pourquoi immédiatement. Lorsque je fais une rotation autour de mon axe, le club part en arc de cercle avec une face qui s'ouvre par rapport à la direction que vous voulez donner à votre balle, qui s'ouvre par rapport à la ligne de jeu, mais qui en réalité n'est pas ouverte du tout. Regardez, si je me mets de trois quarts à vous, par rapport à vous, et que je démarre avec un quart de tour, si je me mets face à mon club, vous voyez que je suis parfaitement square. Donc, c'est pas vraiment une ouverture avec les mains, c'est une ouverture qui se fait d'un seul bloc comme ceci et donc le club est square par rapport à l'arrondi. Donc on est d'accord pour dire que le mouvement se fait dans un léger arrondi. Pour quelle raison? Parce que le club n'est pas droit au départ, il n'est pas dans cette position. Si le club était dans cette position, le geste se ferait sur une ligne droite parfaite. Par contre, donc on serait assez droit, par contre on ne serait pas très puissant. Donc, le fait d'avoir des mains qui ne sont pas au-dessus de la balle mais décalées crée un angle au niveau du manche et c'est ça qui crée l'arc de swing en plus de l'action de rotation dans un sens et dans l'autre qui fait aller mon club à l'intérieur de la ligne de jeu et à l'intérieur
de la ligne de jeu. Où je veux en venir? Lorsque vous êtes square au départ, et que vous donc, par rapport à votre balle, vous tournez comme ceci, votre face de club, vous voyez, s'ouvre vers la droite. Quand vous revenez, elle revient square, et quand vous retournez à nouveau de l'autre côté, elle se referme. Donc, si vous effectuez un déplacement de l'axe, et que vous ne bougez pas au retour, votre club se retrouve square face à votre axe, mais après l'axe, la tête de club se referme et donc vos balles vont partir à gauche. Pareil, si je me décale trop à la descente, mon club n'a pas eu le temps de revenir square, la face envoie la balle directement à droite, puisqu'elle sera square face à mon axe, c'est-à-dire après l'impact. Donc vous comprenez que le maintien de l'axe en position pendant tout le geste va vous donner un impact de balle bien plus régulier et surtout une précision bien plus régulière. Votre club, vous serez beaucoup plus efficace dans votre capacité à ramener le club square si vous maintenez votre axe face à la balle. Donc c'est vraiment fondamental, vous comprenez bien, de conserver cet axe fixe. Le troisième intérêt, c'est que je vous l'ai montré au début de cette vidéo, vous allez réussir à être beaucoup plus stable à partir du moment où vous tournez sur vous-même. Si vous regardez les lanceurs de poids, par exemple, ils ne partent pas en avant, mais ils poussent autour de l'axe. Pareil pour les lanceurs au marteau. Vous savez, avec les filets sur les côtés, le lanceur tourne sur lui-même et lâche le marteau en restant vraiment sur son axe et en résistant. Il ne part pas avec son marteau lorsqu'il le lance, sinon il y a déséquilibre, il sort de sa zone. Donc c'est vraiment essentiel de comprendre que ce maintien de l'axe fixe est capital pour votre régularité, pour votre précision et pour votre stabilité. Alors je vais vous donner quelques petits exercices à réaliser très simples au practice ou même en coup d'essai avant votre coup sur le parcours.